Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Si tu es en vacances, eh bien, bonnes vacances. Et rendons grâce au Seigneur pour ce beau temps que nous avons présentement sur la côte nord, un temps avec un peu de chaleur, ça fait vraiment du bien. Le 6 juillet, la fête de Sainte Maria Goretti, ça me rappelle toujours un souvenir d'enfance. On avait à peine commencé notre temps de vacances quand j'étais enfant. On était sur une île, on n'avait pas d'eau courante, on n'avait pas d'électricité. C'était vraiment un grand bonheur d'être là. Mais le 6 juillet au matin, il fallait revenir à la ville pour aller à la messe de Sainte Maria Goretti. Maria Goretti avait été canonisée en 1950 et c'était la patronne, la gardienne de la pureté des enfants. C'est ce que j'avais appris à l'école, c'est ce que mes parents, maman particulièrement, savaient et il fallait tous aller à la messe le 6 juillet. J'en suis encore reconnaissante. La force de Maria Goretti, on le sait, ça a été son amour pour Jésus. Et son amour pour Jésus qui l'a fait résister à ce jeune homme qui lui faisait des avances alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elle est morte pour conserver sa virginité. Elle a pardonné. Et comme elle a dit, c'est par amour de Jésus que je te pardonne. Et le jour de sa canonisation, sa vieille maman était là, ainsi que celui qui l'avait tué. Il était devenu prêtre. Le pardon qui libère, le pardon qui délie l'autre de la haine, de la rancœur, du remords, le pardon qui donne la vie et qui a donné la vie à un prêtre. Dans la première lecture aujourd'hui, on retrouve Abraham qui nous dit: aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Maria Goretti a donné sa vie à Jésus et elle a donné son pardon à cet homme. Abraham, aujourd'hui, on sait, c'est le sacrifice d'Isaac. Isaac, qui était le fils unique d'Abraham, Dieu lui avait donné ce fils unique dans sa vieillesse et maintenant il lui redemandait. Et Abraham a dit oui. Merveilleux! C'est magnifique, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser humainement. C'est divin, une attitude comme ça de la part d'Abraham. Il a eu une grâce de force et de crainte de Dieu extraordinaire. C'est comme s'il disait « Dieu m'a tout donné et moi je vais tout lui donner ». Merveilleux. Je me posais la question ce matin et je la pose à toi aussi. On a tous un petit Isaac. Est-ce qu'on est prêt à abandonner à Dieu l'Isaac qu'il nous demande? Ça peut être nos vacances. On avait prévu des vacances, elles ne sont pas comme on a pensé. Nos enfants, la maladie frappe un enfant. Est-ce que c'est la révolte ou c'est la peine, les pleurs? Et un oui, pas facile à dire, mais un oui offert à Dieu. Ça peut être mon temps. Tout ce que j'ai à moi, c'est mon temps et je ne veux pas le donner à personne. Quel est mon Isaac? Ma santé? Mon argent? Rappelons-nous, Dieu m'a tout donné, à moi de tout lui remettre. Et dans l'Évangile, on retrouve aujourd'hui cette histoire merveilleuse de l'homme qui est paralysé et à qui le Seigneur commence par dire « Tes péchés te sont remis ». Puis là, tout le monde s'indigne. Et Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile, dire tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton grabat et marche. Alors pour que vous sachiez que le Fils de Dieu a pouvoir, je dis à cet homme, lève-toi, prends ton grabat et marche. On retient des Isaac et on est paralysé. On a tous ces petits Isaac, comme je disais tout à l'heure, et ça, ça nous paralyse. De rester attaché à quelque chose, on est paralysé dans notre croissance spirituelle. Et je vais te le remontrer, je vais te le montrer encore une fois. Quand je retiens un pardon,
C'est une paralysie de charité que je vis, ou de miséricorde, si tu veux. Quand je retiens de la rancœur, oh, je lui ai pardonné, mais je ne l'oublierai pas. C'est une paralysie de joie. La joie n'éclate pas dans mon cœur. Quand je retiens mon temps, je deviens paralysée dans la générosité, dans le don de moi-même. C'est incroyable, hein, comment toute la liturgie d'une journée se tient pour nous dire « Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Et quelle est cette image et cette ressemblance de Dieu? L'homme debout, l'homme qui donne tout, glorifie le Seigneur, c'est-à-dire qui fait la joie de Dieu. L'homme qui se donne lui-même, donc qui devient comme Dieu, qui devient pauvre. Dieu est essentiellement pauvre parce qu'il se donne continuellement. L'homme qui devient pauvre devient joyeux, et l'homme qui est joyeux, pauvre et donné, il est un homme libre à l'image de Dieu. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui, de vivre cette journée dans ton quotidien en aimant jusqu'au bout, en donnant tout ce que tu es et en te couchant ce soir peut-être fatigué, mais heureux et heureuse d'avoir vécu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au revoir, bonne journée, à demain.